Depuis le début, il se servait de moi. Quel idiot j'ai été. Randall. Marissa. Je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment toi. Je t'attends depuis si longtemps. Comment? Tu prétends m'avoir attendu, mais tu as épousé Henri. Randall. Traître. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Henri, comment as-tu pu me trahir? Tu t'es approprié mes idées et mes recherches. Et comme si ça ne suffisait pas, tu m'as pris Marissa. Tu te trompes du tout au tout, Randall. Henri voulait tout préparer. Tout préparer pour le jour de ton retour. Mon retour? Mais de quoi parles-tu? Randall, un miracle a bel et bien eu lieu à Doraemon. Et je ne parle pas de tes mises en scène. Monsieur Randall, puis-je vous parler? Oh, laissez-moi tranquille. Tous autant que vous êtes. J'avoue que le mec est balèze pour ses sauts d'escom. Randall, écoute-nous. Quand tu as disparu, nous avions peu d'espoir de te revoir un jour. Nous étions anéantis. Cette épreuve fut extrêmement difficile pour tes parents. Leurs affaires ont périclité et leur fortune fut vite réduite à néant. Tout ce temps, inlassablement et au péril de sa vie, Henri a continué à te chercher dans les ruines. Ironie du sort, il a fini par découvrir le trésor des Aslantes que tu... Sensible à la détresse profonde de tes parents, il a utilisé ses richesses pour leur apporter un soutien financier. Il a pris soin d'eux comme s'ils étaient ses propres parents. Et il a travaillé d'arrache-pied pour bâtir Doraemon. Henri, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, Randall. Henri a toujours su que tu étais en vie. Il n'a jamais cessé de te chercher. Il a dépensé des fortunes pour envoyer des équipes de sauvetage dans les ruines. Il a créé l'hôtel du retour pour que ses équipes aient une base d'opération au cœur même du désert. L'hôtel du retour? C'est le tout premier bâtiment de Doraemon. La première pierre de l'édifice. Bien qu'il soit situé au milieu de nulle part, cet hôtel a connu un succès prodigieux. Mais un tel succès ne doit rien au hasard. Il y a une explication parfaitement logique. Est-ce que l'école s'arrête? Aïe, 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 aïe. Ah bon, il est tard, c'est l'heure d'aller se coucher, les enfants. Mais c'est pas mal. Ah oui? Henri a annoncé qu'il offrirait une énorme récompense à quiconque te retrouverait. La somme était si alléchante que la rumeur s'est très vite répandue. L'hôtel du retour affichait complet tous les soirs. De nouveaux hôtels et des commerces ont vu le jour et ont fini par donner naissance à une ville florissante. C'est ainsi que Doraemon est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'ignore. Si Henri n'avait pas cru en ton retour depuis le début, cette ville n'existerait même pas. Mon retour? C'est ça le vrai miracle qu'a connu la ville de Doraemon. Je ne sais pas quoi dire. Tu as cru qu'Henri t'avait pris ta famille et ta fortune. Mais tu étais bien loin de la vérité. Il ne t'a rien pris. Il a consacré sa vie à préserver ce qui t'appartenait. Mais... Et Marissa? Encore son collier. Nous nous aimions pourtant. Randall, Henri et moi ne sommes pas réellement mariés. Ce n'est qu'une façade. Quoi? Quand tu as disparu, ma vie s'est arrêtée. Mes parents se sont alors mis en tête que je devais me marier. Ils ont voulu me forcer à épouser l'homme le plus riche de la ville, Alphonse Dalston. J'étais tellement lasse que j'aurais sûrement fini par accepter pour qu'il me laisse en paix. Puis Henri a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. Si nous attendions Monsieur Randall, ensemble, il a toujours su que tu reviendrais, Randall. Et la force de sa conviction m'a aidé à y croire, moi aussi. Nous avons décidé de faire semblant d'être mariés, de jouer la comédie, jusqu'à ce que tu reviennes. Henri s'est juré de prendre soin de tout ce qui était à toi. Il ne t'a jamais trahi, Randall. Sa loyauté a été sans limite. À 18 ans qu'il avait tenu le mec. Pendant 18 ans, il savait que le mec allait revenir. Oh, Randall, c'est ta maman. Maman?
Ouais, t'es un petit enfoiré, hein. Randall. Elle en a fait des conneries. Maman, c'est bien toi ? Tu es vivant, mon chéri. Tu es rentré. T'as fait vivre, ouais, enfin bon. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans l'aide d'Henri. Il a tant fait pour moi. Maman, je comprends maintenant. Randall, regarde. Ce document indique le nom du véritable détenteur des biens de la famille Dumont. Et le nom qui apparaît sur l'ensemble des titres de propriété n'est pas celui d'Henri, mais celui de Randall Ascott. Vraiment ? Tous les terrains, les biens et le reste du patrimoine d'Henri t'appartiennent légalement. Mais comment est-ce possible ? Si Henri a créé une réplique du Masque du Chaos, ce n'était pas pour s'attribuer les mérites de sa découverte. Il a fait de ce masque le symbole de Doraemon pour qu'il devienne un phare censé te guider jusqu'à lui. Il pensait que si quelqu'un prétendait avoir trouvé le Masque du Chaos, cela attirerait ton attention. Il ne s'est pas trompé, mais l'arrivée d'un criminel affublé du Masque du Chaos a tout compliqué. Sachant que la police allait forcément s'intéresser de près à cette relique, Marissa a décidé d'agir. Elle a caché le faux masque et a prétendu qu'il avait été volé. Elle souhaitait protéger le symbole de Doraemon. Elle ne voulait pas que la lumière de ce phare, allumée par Henri, puisse s'éteindre. C'est vrai. Randall, es-tu encore persuadé d'avoir été trahi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'étiez pas vous-même. Mais tout ira bien maintenant. Nous sommes là pour vous, Monsieur Randall. Et maintenant, un petit séjour en prison. Henri. Tu sais tout, Randall. Le masque du chaos, symbole de Doraemon, aura peut-être été à l'origine d'un véritable miracle, après tout. Encore. Grosski. Randall ! Parce qu'il va retomber. Désolé, Herschel. Je crois que c'est fini. Ne raconte pas de bêtises, je vais te remonter. Il est fort maintenant. On dirait que l'histoire se répète. Ne dis pas ça. Allez, dépêche-toi, donne-moi ton autre main. Non, j'ai fait trop de mal pour mériter de vivre. J'ai commis trop d'erreurs. Tu dois me laisser partir, Herschel. Il y a des gens qui vont l'aider. Voilà. Henri ? Monsieur Randall, nous attendons depuis si longtemps. Je ne vous lâcherai pas. Je ne pourrais pas supporter de vous perdre encore une fois. Henri. Je trouve que leur version adulte, elle est pas super bien réussie aux deux, là. Même lui, sa voix, elle va pas avec sa tête. Et lui, encore moins. J'ai tellement honte de moi. Je ne vaux rien. Je suis lamentable. Ce que j'ai fait est vraiment impardonnable. Il y a beaucoup de soucis. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé la vie ? Monsieur Randall, la réponse est simple. Vous avez toujours été là pour me soutenir. Petit flashback. Ce jouet appartient à Monsieur Randall. Il n'est pas à toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Donne-moi ça tout de suite, tu devrais avoir honte. Tu me déçois beaucoup, Henri, ce n'est pas digne de toi. Je vais devoir parler de cette histoire à Monsieur le Baron. Il ne va pas être content. Je suis désolée. Je voulais juste jouer. Oh, c'est vous. Je suis désolée pour tout ça, Monsieur Randall. Pourquoi vous lui prenez son jouet ? Mais voyons, Monsieur Randall, vous voyez bien qu'il s'agit de votre robot. Mmh. Oh. Non, je suis sûre d'avoir offert ce robot à Henri. Maintenant, laissez-nous, d'accord ? Monsieur Randall ! Je vais devoir parler de cette histoire à Monsieur le Baron.
Très bien. Ouais, c'est pas fou, je suis d'accord. Mais Randall, ouais, moi ça me perturbe Randall quand même. Il a trop changé quoi. Hein, monsieur Randall, je suis désolée d'avoir pris votre robot. Mais non, c'est le tien. Mais vous l'adorez. Oh, t'en prendras soin pour moi. Et puis, de toute façon, j'ai assez de jouets comme ça. Allez, l'aventure nous appelle. Merci beaucoup, monsieur Randall. J'y ferai très attention, ce sera mon trésor. Hein? Puisque tu aimes les trésors, on part à la chasse. Ce que vous avez fait pour moi ce jour-là, je ne l'ai jamais oublié. D'ailleurs, j'ai toujours ce robot. Malgré nos différences de statut, vous m'avez toujours traité comme un ami, un frère. Et cela a toujours beaucoup plus compté à mes yeux que toutes les richesses du monde. Au fil des années, j'ai compris que notre amitié était comme un trésor rare et précieux. Comme un trésor? On ne vous a pas oublié, monsieur Randall. Nous savions que vous reviendriez. C'est juste qu'on vous attendait plus tôt. Henri... je suis désolé. Il fait un câlin, oui. Vous êtes de retour. Un petit décalage sur l'image, là. Randall. Merci, Henri, Marissa. Je trouve qu'il est trop bizarre, Randall, en grand, quoi. Il a perdu tout ce côté nerd, quoi. Petit côté scientifique, quoi. Eh bien, quelle aventure, professeur. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Eh oui. Mais il nous reste encore tout un tas de choses à découvrir sur la civilisation Aslan, professeur. Comment ont-ils pu construire des mécanismes aussi sophistiqués? Il y a de quoi être perplexe. Les Aslantes, cette civilisation ancienne, était très avancée. Les archéologues n'ont pas fini d'en débattre. Quel était leur secret? Au fait, professeur, Monsieur Dumont est un chic type, finalement. Toutes ces années, il a attendu le retour de son ami, et tout ce qu'il a fait en attendant, il l'a fait pour Randall. Quand même, c'est très fort, non? Les actes d'Henri étaient désintéressés. Sa générosité est digne d'éloge. La loyauté et l'amitié sont les deux piliers sur lesquels la ville de Dorémont a été bâtie. C'est joliment dit. Et très juste, la cité des prodiges a beaucoup à offrir. Hop, voiture. Bini, 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 bini.